Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Vous deux, suivez-moi. Je vais nous faire sortir de là. Après toi. Un claqueur. C'est rare ce claqueur, c'est pas lui qui m'intéresse, c'est lui là. En fait les claqueurs, je m'en branle un peu, c'est vraiment... Oh merde. C'est ces zombies là, parce que si jamais tu te fais... horder les fesses, littéralement... Bon, allez, les ennuis commencent du coup. Il y a une pièce là-bas, quelque chose qui lui donnerait un réel intérêt d'y aller. Pas grand-chose. Arrête d'observer, putain! Je déteste ce truc. Il y a un passage. Faut qu'on se démerde pour passer. Eh merde! Ah merde! Ah bah je suis foutu. Putain. Eh bah. Ouh là là. J'aurais dû tuer tout le monde en fait. Putain mais vous avez vu aussi les deux petits connards? Oh putain j'ai plus de sur un. Les deux petits connards qui sont ramenés en mode salut. Ah là là, putain. C'est vrai qu'à moi, je fais... gros blasting en tuant tout le monde, là, mais... Je pense qu'on a compris que ça va pas le faire, là. Putain, mais je viens tellement pas les deux connards qui sont ramenés l'un derrière l'autre, là. Comment t'es supposé le prévoir, ce genre de choses, s'il te plaît? On dirait qu'il y a un passage dans le couloir. Ça va ? Aide-moi à l'ouvrir. Ok, prêt? Encore une. Allez. Oh non! D'autres en chemin. Barricadez les portes. Ça marchera pas longtemps. C'est pas bon signe. Putain de colosse! Quoi? Elle est bien à l'abri! Charge!
Ça fait longtemps qu'il est infecté. On les appelle les colosses. Un colosse. Ok, figé. Vraiment navré d'interrompre votre cours de biologie, mais j'aimerais foutre le camp d'ici. Vite! Non, tu crois? Moi aussi j'aimerais bien foutre le camp d'ici, là, j'en peux plus. Allez, on monte sur les gradins. Aide-moi, Joël. Attends. Il y a du stuff, là. Attends, c'est rempli de sport, là, non? Il a même pas mis le masque. A mon avis, les deux mines plus les trois molotov, il a pas dû apprécier. Hein. Allez, on y va. Ok. C'est parti. Ok, allez. Joël, derrière! Merde! Fais chier! Oh putain! Je m'en sors! Quoi? Il n'en reste plus qu'un. Je déteste ces trucs. C'est bon, tu les as eus. Amène-toi. Remonte-moi. À l'abri ici. Il y a une autre échelle là. Je suis derrière vous. Dépêche Joël. Sorti. Ok. Je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill, quelqu'un a eu la même idée. On m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça jusqu'à Z. Et tant que tu y es, dis à Tess que son putain ne de mêle boulot. Ne mêle pas Tess à ça. Elle peut se tout ça n'a trop... rien à voir. Putain. Quoi, tu connais ce type? Frank. Et c'est qui, Frank? C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre. Ici. Et... Je suppose qu'il voulait pas se transformer, alors... Ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Hé, hey, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est ma batterie. Quel enfoiré. Descends. Descends. C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais les accus fonctionnent. Du coup? Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie. T'es sûr de ça? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Tant de Dieu.
Oh non, c'est pas le passage. C'est pas le passage où est-ce qu'il va y avoir des infectés qui vont venir nous agresser pendant qu'on pousse ou un truc en genre. Ouais, bonne idée. Fais-moi signe quand tu seras prêt à y aller. Je te préviendrai. Alors, Bill, je doute que tu trouves un jour cette note, car tu as toujours eu peur de venir dans ce coin de la ville, mais si jamais c'était le cas, sache que je te déteste. J'en ai plein le cul, cette ville de merde et ta petite vie bien rangée. Pour moi, la vie, ce n'est pas ça, mais ça te dépasse. Et cette saleté de batterie dont tu te plains sans cesse, j'en ai marre. Tu as sans doute raison, tenter de quitter cette ville me tuera. Ce sera toujours mieux que de passer un jour de plus avec toi. Bonne chance, Franck. Alors, déjà, je veux. Il nous faut de la survivabilité là. Après ce qu'on vient de vivre, la survivabilité a sacrément diminué. Il ressemblait à quoi ? Ah ouais, ça faisait longtemps qu'il était là, hein. Putain, mais pourquoi il n'y a même pas une petite PS3 et une PS4 qui traînent dans les décors, là? Alors encore la PS4, je peux comprendre, hein, c'était trop récent pour l'époque que ça se passait, mais la PS3 ou même une PS2, je sais pas, moi, Sony, faites un effort. Ouais. Bill, j'ai trouvé ça et je voulais que tu l'aies. C'est ce que tu ressens. Va te faire foutre, Franck. Mais quel con. On y va. Est-ce que ça va aller? Ouais, t'inquiète pas. Je suis fier de toi. Je tenais à ce que tu le saches. Je vais pas te décevoir. Ok. Ok, c'est parti. Vas-y. Passe la première. C'est déjà fait. Garde le pied sur l'embrayage. Et quand ça commence à rouler... Je sais passer une vitesse. Comment tu sais ça? En fait, je m'en fous, mais fais pas tout foirer. Ok, Ellie, prépare-toi. Maintenant, vas-y. Accélère. Hey! Bien joué, petite! Bill, ça nous aide pas. Ellie, on va essayer encore une fois. Reste concentré! Si on arrive à attendre la colline. Oh, je suis en stress. Là-bas! Attention! Merde! C'est fini! On va au camion! Ah non, j'ai oublié de regarder le sac de sport, pourquoi il y a quelque chose dedans? Cette maison, sur la droite! Arrête le camion, il y a des infectés! On n'a plus beaucoup de temps, on retourne pousser! Allez, faut y arriver là! T'as vraiment foutu ma journée en l'air! De l'autre côté, sur la gauche. On va à la colline. Allez, 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 plus vite. Ok, Ellie, prépare-toi. Vas-y, Ellie, démarre. T'entends ça, Bill? Ouais, ça veut dire que les infectés l'entendent aussi! Faut qu'on monte dans ce camion!
Ok, c'est bon. Stop! Laisse-la tourner, ok? Cette gamine a failli nous faire tuer. Admets-le. Elle s'en est bien sortie, là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Oh, oh. Tiens. C'est quoi? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. C'est sympa. Écoute, Bill, à propos de ton pote tout à l'heure, c'est vraiment moche. Et je... On est quitte? On est quitte. Alors foutez le camp de ma ville. Tu devais pas dormir? Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspense. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre? Ben... Tiens. Ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh. Mais c'est une belle trouvaille. Bon, wow. C'est mieux que rien. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Mm-hmm. Il n'y a pas grand-chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wow! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça! Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh, pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut! Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir? Je suis même pas fatiguée. Oh, non, non. Ah, super. Oh, on fait quoi? Fais chier. Doucement. Pitié, aidez-moi. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il est pas blessé. Ça va, je vais bien. Alors descends, vite. Merde! Espèce d'enfoiré!
Allez. Qu'est-ce qu'ils tournent pas rond chez eux? Reprends ton souffle. On s'en va. Ok. Attention! Merde! Baisse-toi! Oh, bordel! Ah oui, cette musique là! Cette musique! D'ailleurs, j'avais même pas regardé dans les volumes, y'avait pas un truc. Mode streamer ou autre! Bon, c'est pas grave, hein. T'es un connard! Oui! Wow! Eh hey, merde, je suis foutu! Ah, fais chier! Oh, il fallait bien qu'on crève un jour! Fils de pute! Bon, il reste plus qu'un, ça va, on était terre. Ah, putain. Waouh, super Ellie, donc. Bon, je crois qu'on les a tous eus. Ça va? Ouais, je crois bien. Tant mieux. Parce qu'on doit foutre le camp d'ici. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer. Bien. Ouais, j'avoue, parce que voilà. Ouais, ça leur fait une santé, là. Y'a rien ici. Côté. Non, par chocolaté. Ah, la douille! Ils ont tout bouffé! Tu vois un truc? Non, je cherche Ellie, là! Oh! Faire une pause boisson. Quoi faire? Oh! En tout cas, hors de question qu'on ressorte par là. Bah, j'avoue, on doit aller où là? Là-haut. Non? Là-haut? Il y a forcément une autre issue. Là! Non, c'est pas là-haut. Bon, 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 par où fallait aller? Bon, 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 par où fallait aller?
Là, il n'y a clairement pas de sortie. Là-bas, on peut pas y accéder. Là-bas, il n'y a rien. J'irais que c'est là, mais comment ça se fait? Je peux pas tirer dessus. Les gens, je loupe quoi là? Possible! Par où la sortie? Oh! LOL! Allez! Vas-y! Essaie de trouver un truc pour la retenir! Il y a des trucs vraiment dégueux par ici! Allez! Ouais. Ok, vas-y! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Regarde. Foutu chasseur. Ça aurait pu être nous. La vache. Tous ces gens ont vraiment pas eu de chance. Je savais que j'aurais dû prendre une autre route avec le camion. On est en vie? Tout juste. Fichons le camp d'ici. Alors, c'est quoi les infos du jour? Ah! Tout le monde est occupé à chercher la fille. Comment ça... Municiones! La plata au plombo. Pablo Escobar. Comment t'as su? Sur quoi? Pour l'embuscade? J'ai déjà été à leur place. Oh. Alors, t'as tué beaucoup d'innocents? Oh. Je prends ça pour un oui. Prends-le comme ça t'arrange. Oh. C'est ici que ces connards dorment. Il y a eu du bon sexe sur ce matelas, enfin, ça se voit. Dormait. Kit médical amélioré, yay! Alors, trespasseur will be shot, survivors will be shot again, sérieux? Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Y'a pas des upgrades plus ou moins gratuites. Mais je sais pas les trucs de confectionnage, moi. Quand ça requiert ça, c'est mort, hein. J'utilise pas pour l'instant.
perdez seulement un point de durabilité. Ah voilà, c'est parfait. J'ai pas l'impression qu'ils étaient infectés. Peu importe, ne restons pas là. Avec le sniper. Bon. Ah! Voilà le pont, c'est notre sortie. Ellie, ralentis, attends-moi. Quoi? Je suis là. Laisse-moi passer devant, tu veux? Et puis parle moins fort. Ok. La drogue, c'est la vie. Super. Encore un truc qui va me rendre fou. C'est génial. On a trouvé une BD, je suis heureux de le savoir. Sans agression, non, ici, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Tes amis chasseurs ont fait ça? Oh Ellie, tu cherches la... tu cherches à te faire battre, hein, là. C'est tes potes les chasseurs qui ont fait ça? Très drôle. Non, je miserais plutôt sur l'armée. Pourquoi ils auraient tué tous ces gens? Pour ne pas avoir à les recueillir. Et ils les ont tués? Et les morts ne risquent pas d'être affectés. Les sacrifiés pourraient en sauver un grand nombre. Ah, ça craint. Ouais. Ça pouire, messire, ça pouire. C'était quoi? Je sais pas. Ellie, baisse-toi. Ce que t'as appris à tirer. Ellie, vite. Il y en avait plein, et tu les as tous ratés. Toi, je vais pas te rater. Waouh. Arrête, tu me fais peur. Bah, si jamais tu veux des leçons, n'hésite pas, je peux t'aider. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait être là. Il surveille la nationale. Ça m'étonnerait pas du tout qu'ils aient chopé un autre groupe d'intrus. C'est une vraie mine d'or là-bas, les vénards. Regarde si tu trouves des trucs dans le coin en les attendant. Y a rien ici. On continue. Fais chier, j'en ai ras le cul là. Voilà. Ça manque de démembrement un peu, non? Putain, c'était chaud. Putain, c'était chaud. Oui, Ellie, bien sûr, Ellie. C'est chaud comme une baraque à frites. Bon, et si on détendait un peu l'atmosphère? Prêt? Quel est le... Est-ce qu'il veut le combat? Non, j'avais envie de les tuer en vrai. Bah, c'est d'être timbré. Faut pas sa vie à tout esquiver, après. On est comme en mode normal, là. Encore en mode survivaliste, je pourrais comprendre. Ce pont est pas tout près. On y arrivera.
Wow. Ça fait bizarre de voir un poste de contrôle sans soldats. C'est à ça que ressemble la plupart des zones. Cet endroit est abandonné depuis un bout de temps. Donnez-nous nos rations. Ah, la plus grande bande de bons à rien n'ayant jamais porté des armes a réussi à nous pondre Troy Hill. Les enfoirés sont malins, ils nous ont volé un mortier, on n'avait aucune chance. Entre ça et le Strip District, ils ont le contrôle de toute la rivière, la retraite n'a pas été facile, on a perdu la moitié de notre escouade. J'espère simplement que Jérémy et Pam sont toujours en vie, ils sont restés bloqués de l'autre côté de la rivière. Pourquoi ils n'ont pas donné à manger? Des fois, ils n'en avaient plus. La plupart du temps, ils la gardaient pour eux. Ça, c'est jamais arrivé à Boston. Crois-moi, ça arrivait tout le temps. Vous avez mouré avant d'être affamé. Ok. Ah non, avant que nous soyons affamés. Ouais, moi aussi. Ne fais pas de bruit pendant qu'on traverse cette zone, ok? Putain. On a passé toute la nuit à traquer quelqu'un. Ah ouais, t'as participé à ça? J'en ai entendu parler. Ouais, cette fille-là, elle voulait pas lâcher l'affaire. J'ai jamais vu quelqu'un se donner autant. On a buté tous les autres en 5 minutes, mais elle, on a mis 5 heures à la retrouver. Putain. Il y a des fois, c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est clair. On allait laisser tomber, mais là, elle a commencé à nous tirer dessus. C'est con, elle aurait pu filer. J'ai demandé à deux autres types de l'occuper. Il a un flingue. Allez. Quand même dommage qu'on peut pas lancer des couteaux ou genre de conneries. Bien silencieux, dis donc. Il est où le corps? C'est quoi encore la technique? Personne ici. Mieux. Étonné qu'ils ont toujours pas spoté le gars qui est mort en bas.
ne vois rien, je n'entends rien. Dodo, chasseur, mon petit frère. Putain. Je suis bien. Concentrer le Hex, ouais, un petit peu. Je crois que c'est bon, plus personne là. Ah, des flèches. Ah. Merde. Eh merde. Voilà. Ça se passait si bien. Puis 0 sur 10. Fais gaffe! Couvre-moi, j'y vais! Je te couvre. Votre volontaire ? En tout cas, s'il y a des volontaires, je sais pas où ils sont. Hein. Je suis sur YouTube, et je suis toujours sur YouTube, hein. Je vais quitter YouTube, hein. Alors... Prends. Ration, prends. Cacher les trucs qui traînent. Je
Je veux y pisser, moi. Oh. Ouh. Urban Dallas, multipass. C'était quoi? T'es plus tout jeune, hein, mon... Oh! Oh! Oh merde! Je vais te battre! Non, 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 je t'en prie, me tue pas, pitié, laisse-moi partir! Oh. C'était bien trop juste. C'est bien trop juste, qu'est-ce que tu racontes? Excuse-moi. Ça va être Starlight. Tu sais, la BD que je lis. Le héros dit ça après une grosse bataille. La survie à tout prix. Ouais. Ok. Vraiment la détresse dans la zone. Hein, sérieusement, même pas une petite carotte ici, rien. Ouais, d'ailleurs, il nous a donné un câble pour pouvoir pomper l'essence, mais bizarrement, pas très envie de pomper le Joël, hein. Et Joël, pompe-moi cette essence là. C'est que t'aimes ça, Joël. Ouais, je pense qu'on peut avancer là. Quoi, ça fait plaisir de revenir sur le jeu sans mentir. Autant le 2, ça a été une semi-déception pour moi, autant le 1. Toujours aussi prenant. Et si on détendait un peu l'atmosphère? Prêt? Quel est le comble pour un facteur? Bah, c'est d'être timbré. C'est quoi ça? Un livre de blagues, sans mauvais jeu de mots, volume 2, de Will Livingston. Allez, on avance. Alors on dit que le comble pour un boulanger, c'est de se faire mener à la... baguette. Ouais, je vois. Alors, quel est le plat préféré des cannibales? C'est le croque-monsieur. Oh mince, ça m'a donné faim. Selon toi, quel est le cocktail le plus explosif? Et ça te fait rire? Le Molotov. J'aime pas me faire passer un savon, surtout sous la douche. Ok, je la connaissais pas, celle-là. Ok, j'ai plus de blagues. Il y avait deux pages dans ton livre à blagues, Ellie, ou quoi? Bon, 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 où est-ce qu'on doit aller, les gens, du coup? Passer par là ou pas? Non. Allez, allez, plus vite. Tu me ralentis, Ellie, là. Allez, bouge! Ne regarde pas comme ça, meuf, c'est toi qui as son chemin. Bouge! Mais, allez! Casse-toi, là! J'aimerais avoir plus de place dans mon sac à dos. Alors, comme ça, t'aimes lire, hein? Oh, tu veux dire quand je fuis pas les chasseurs ou les infectés? Un truc ici à tout hasard. Oh là, ça va aller, ça me bloque le chemin là.
J'aime bien Ellie, mais quand même. Sachant que t'as même pas eu les couilles de buter Abby à la fin. Honteux, Ellie. Pas 300 de mort, ça nous fait pas abandonner. Abandonner. Jamais. Putain, on te demandait qu'une chose, Ellie, dans The Last of Us Part 2, c'était de buter Abby. Il faut vraiment être cinglé pour prendre des soldats. Quand ils sont désespérés, les gens sont capables du pire. Alors, qu'est-ce qui nous attend de beau ici? Allons voir où ça mène. Allez, bravo Joël. Bah, techniquement, t'es pété la cheville, hein. Elle a perdu deux doigts au final pour rien, et le pire c'est que du coup elle pourra plus jamais jouer de la musique, et donc elle a perdu son seul lien qui l'a relié à Joël, quoi. La guitare. Baisse-toi, baisse-toi. Il y en a d'autres. C'est bon. Je crois pas qu'il nous ait vus. Je suis sûr que Joël il porte des strings. Voilà le pont. On est un peu plus près. Je crois. Il faut continuer. Allez. Plus d'options. Mort pour la liberté. Cette fille est trop belle. Hein? Je croyais que vous aviez plein à manger avant. Oui, c'est vrai. Mais certains choisissaient de ne pas manger. Et pourquoi ça? Pour l'apparence. C'est débile. Ouais, mademoiselle, vous avez entendu, c'est débile l'apparence, ça sert à rien, c'est surcoté. Mais vaut quand même mieux ressembler dans la vraie vie à Optimus Prime qu'à Omégatron, hein. C'est trop loin pour sauter. Si tu m'aides à monter, je peux dépasser. T'as dit quoi, Ellie? Je t'entends pas. C'est vrai que tu veux fils que porte Joël, pourquoi pas. Tu vois, ouais, il porte des tangas. Des tangas roses. Comme on dit dans la vie, faut exprimer la féminité en nous. Réveiller la femme qui est en nous. Des rats. Ok. On va aller par là. Il y a un sur un là. C'est pour ce soir, on va prendre le poste de contrôle est. J'ai planqué des réserves au régal. La cachette est marquée d'une croix rouge. Au régal, croix rouge. Moitié homme, moitié femme, non. Je suis pas quelqu'un de transgenre dans la vraie vie, je suis un homme. Avec des poils partout, tout au niveau de l'entrejambe. C'est un détail. Hey, il y a encore un de ces espèces de radeaux flottants là. On peut s'en servir? Reste là. Et où le radeau flottant?
terre, ça? C'était quoi? Oh, j'aime pas cet endroit. Hey, ma fille! C'était quoi ce bruit? Monte, on passe par l'hôtel. Ok. Oh, doucement. Cale cette planche comme eux. Dégueulasse ici. Dégueulasse. Savoir. C'est sûr que non, ils sont pas partis, ils sont encore là. C'est bon, Ellie, descends. Et moi, on pouvait se planquer dans les hautes herbes. C'est chic. T'es allé dans ce genre d'endroit? Enfin, avant tout ce bordel. Non. Non, j'en avais pas les moyens. Quelqu'un veut un café? Un coffre ici. Ok. Je parie qu'on peut monter. Ah ben là le coffre. C'est quoi le code? Hein? 6969 là, tout de suite. Yeah! Sur un amélioré, ma gueule! Oh, je voudrais une chambre pour la nuit. Et donnez-moi votre plus belle suite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr, montez donc mes bagages! T'es vraiment bizarre. Et vous allez voir qu'on va trouver le code quelque part sans s'en rendre compte. Oh, attendez. Franchement, Ellie, si t'espérais un sugar daddy, c'est pas avec Joël que tu vas en avoir, hein. Avec Yann, j'avais compris, hein. T'inquiète, hein. Fait que je me fais vieux dans le gaming, tout ça, mais quand même. J'avais bien compris qu'il fallait la poser là. Vas-y, monte. Ok. Parle pas d'ici. Ah!
Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi y'a rien? C'est là qu'il y a le code. Ouais, voilà, c'est là qu'il y avait le code, mort de rire. PTDR. Allez. Fais attention. Oulala, j'ai entendu un bruit. Alors, je peux aller tout droit ou je peux aller à gauche? Oh merde! Baisse-toi, baisse-toi! Attends, ça fait combien déjà? 5-7 semaines. Mais je me plains pas. Ça, j'en doute pas. C'est fini? Y'a un dernier étage à fouiller. Pourquoi faire? On n'en voit plus des claqueurs. C'est parce qu'on fait gaffe, et on va continuer à faire gaffe. Bon, finissons-en, ok? Écoute, calme-toi, mec. Y'a aucun problème. Je peux pas leur briser la nuque directement. Furtivité. Bonjour. Monsieur, on va vous mettre sur la balance. Écoute, mon patron. Résultat, trop gros. On va faire un régime, monsieur. Prescription du médecin, tout ça. Et le troisième. Troisième, où es-tu? Chasseur numéro 3, où êtes-vous? Oh lol! Mais lol! Mais l'aveuglitude quand même! Dans mes souvenirs, il y en a d'autres des ennemis dans le coin. Une brique! Joël, il y a quelqu'un par là. D'où il sort? Je suis pas fan de ces trucs en mode tu penses que t'as fait tout le monde, mais au final le jeu t'en rajoute par derrière. Ah, il y avait... Y'a rien ici. Il est où l'autre? Oh, Lucky.
On va équiper la brique. Parce que vous savez ce qu'on dit, la brique, c'est magique. J'étonnais que Sony n'ait pas mis leur logo sur les TV. Qui veut des trucs de tissu pour Allez, pousse-toi, pousse-toi. Dégueu. Oh, c'est flippant. Ah, je suis paumé là. Ouais, j'ai entendu. Et Maeva. Oh merde. Reste calme mec. Y'a pas de... Dire que je pourrais rentrer dans le temps, ouais. Bon, ils sont où les deux autres? Bonjour! Je suis pas rassuré. On garde la brique comme ça si jamais y en a un qui nous fait chier. On balance la brique à la gueule et c'est bon. Bâtard. Finalement, le coup de la brique, ça a pas bien fonctionné. Volontaire. Bien cramer un petit peu les munes, hein, en vrai.
Voyons où ça nous mène. Ça va être serré, mais... Juste au cas où. Trouve-moi un truc pour m'aider à grimper, ok? On y va. Allez! Légalement, il a l'épaule pétée, hein, là. Légalement, son épaule, elle est morte, là. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non.